Bai, entzuta, bai, kaixo, arratsaldeon denoi. Mila esker etortzeagatik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, Kultura Departamentuaren izenean. A ber, bai. Kultura Departamentuaren izenean ongitorria eman nahi genizueke, Literaktun jaialdiaren saio honetara. Dakizunez, Literaktun sarean egiten den jaialdi bat da, eta bueno, zenbait kultura ekipamenduak parte hartze dute. Beraien artean, Koldo Mitxelena, Kulturunea, nola ez, azken finean, helburu bera dakagu, literatura, irakurleen eta idazleen arteko topagune bat izatea. Gaur gurekin dakagu David Fuenkinos, idazle frantziarra, eta Rosa de Diego irakaslearekin arituko da solasaldi batean, bere horari buruz hitz egiten. Muy brevemente, darles la bienvenida en nombre del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa a esta sesión del Festival Literaktun. Como saben, Literaktun es un festival organizado por Donostia Cultura, en el que también toman parte otros centros culturales, entre ellos el Koldo Mitxelena, Kulturunea. Como no, al fin y al cabo compartimos el mismo objetivo, que es bueno, intentar hacer de la literatura un espacio de encuentro entre lectores y autores y también un lugar de debate sobre los retos de la sociedad contemporánea. Hoy contamos con la presencia del escritor David Fuenkinos, uno de los escritores más importantes en el panorama literario francés, que va a estar en tertulia con Rosa de Diego, pues, para hablar sobre su obra y su visión de la novela. Rosa de Diego es catedrática de literatura francesa en la Universidad del País Vasco. Es experta en literatura francesa de los siglos XIX y XX, también en literatura de Quebec y también en teatro. Cuenta con numerosas publicaciones, por citar alguna de ellas, su antología de la poesía romántica francesa, teatro de Quebec. También es experta en la obra de Albert Camus. Una erudita. Y bueno, recordaros, eso sí, que al final de la sesión va a haber una firma de libros para quien esté interesado y para quien quiera. Y nada, les dejo en compañía de Rosa de Diego y de David Fuenkinos. Que disfruten de la charla. Mila esker. Muchísimas gracias. Arratsaldeon, eskerrik asko itzaldi honetara etortzeagatik. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci, David Fuenkinos. Quiero agradecer al Festival Literaktun por esta iniciativa tan bonita de hablar de la ciudad de las palabras, que nos permite pues, asomarnos a la literatura desde perspectivas distintas. David Fuenkinos es parisien. Il a étudié les lettres et aussi la musique. Il est professeur de guitare de jazz. David a écrit 16 romans et il a été traduit en plus de 15 langues. Il rencontre un grand succès auprès du public avec La Délicatesse en 2009, vendue à plus d'un million d'exemplaires, et dont il co-signera avec son frère Stéphane l'adaptation au cinéma. En 2010, le romancier s'essaie un nouveau genre, celui de la biofiction, sur John Lennon, dont il est un admirateur, intitulé justement Lennon. En 2014, il co-adapte son roman le plus personnel, je crois, Les Souvenirs, le film réalisé cette fois par Jean-Paul Rouve dépasse les millions d'entrées en France. La consécration arrive en 2014 avec Charlotte, évocation sensible du destin de Charlotte Salomon, jeune artiste juive assassinée à Auschwitz avec 26 ans. Ce roman reçoit le prestigieux prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens. Un an et demi après, David Fuenkinos change encore de ton, revient avec un roman satirique écrit comme un polar littéraire. Le mystère Henri Pic, qui a été publié chez Alfaguara, et je pense que très bien traduit par Maria Teresa Gallego, je crois, et sa fille, sous le titre La Biblioteca de los Libros Rechazados. En Bretagne, un bibliothécaire
décide de recueillir les livres refusés par les éditeurs. Parmi les manuscrits reçus, une jeune éditrice découvre ce qu'elle estime être un chef-d'œuvre, écrit par un certain Henri Pic. Elle part donc à la recherche de l'écrivain et apprend qu'il est mort 2 ans auparavant. Selon sa veuve et selon sa fille, il n'a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des listes de courses. Auréolé de ce mystère, le livre de Pic va devenir un grand succès et aura des conséquences étonnantes, extraordinaires sur le monde littéraire. Il va également changer le destin de nombreuses personnes, notamment celui de Jean-Michel Rouche, un journaliste obstiné qui doute de la version officielle. Donc voici le récit d'une enquête littéraire pleine de suspense et d'humour. Je vais donc, à partir de ce roman, commencer à poser quelques questions à David pour réfléchir sur le genre romanesque. Et je vais commencer justement par ce dernier livre. Le point de départ de ce roman est extrêmement littéraire. Et je cite, « Une bibliothèque qui accepte tous les livres refusés par les éditeurs. » Une bibliothèque qui existe au Canada réellement, d'après une note en bas des pages. Donc je me demande, comment en êtes-vous arrivé à vous inspirer de cette idée? Bon, tout d'abord, bonsoir. Merci. Ça marche bien, vous m'entendez bien? Oui, je pense. Bon, tout va très bien, j'ai passé une magnifique après-midi. J'ai découvert Saint-Sébastien avec cette vue sublime de mon hôtel. Et puis surtout, j'avais demandé aux organisateurs de manger des croquettes avant, avant toute intervention littéraire. Et donc ça a été parfaitement respecté. Donc c'est un plaisir de passer cette soirée avec vous. Je vais répondre d'abord. Oui, c'est bon. Je vais répondre. C'est vrai que vous avez cité Charlotte, qui est un livre très important dans ma vie, qui a eu un écho très très fort, et sur lequel j'ai travaillé pendant des années. Et c'est vrai que moi, depuis l'âge de 16 ans, j'écris tout le temps. J'ai tout le temps des idées. Dès que je finis un roman, je commence un nouveau roman. Mais après Charlotte, j'étais vraiment complètement vidé. J'étais dans l'impossibilité totale d'écrire à nouveau. Et je me suis dit que ça serait peut-être mon dernier livre. Je vais répondre à votre question, hein. C'est un rapport. Et pendant un an, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas écrit. J'avais le sentiment que Charlotte était le livre que j'avais toujours voulu écrire. Et à ce moment-là, parce que je n'ai pas écrit pendant un an, je me suis souvenu d'un livre que j'avais lu il y a très longtemps, un livre de Enrique Villamatas qui s'appelle Bartleby et compagnie, où il fait comme ça une recension de tous les écrivains qui ont arrêté d'écrire, ou les écrivains qui n'ont jamais écrit mais qui sont quand même écrivains, tous les destins autour la littérature en arrêt d'une certaine manière. Et je me suis dit, tiens, il faut que je lise ce livre parce que je crois que je ne vais plus vraiment être capable d'écrire. Et dans ce livre, à un moment donné, il fait une allusion à un livre de Richard Bautrigan, l'écrivain américain, qui parle dans un de ses romans de la bibliothèque des livres refusés. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette bibliothèque? J'adore l'idée. Et c'est donc une bibliothèque qui est dans ce roman. Et après la mort de Bautrigan, il y a un de ses fans qui a vraiment créé cette bibliothèque. Alors, à l'époque, au Canada, mais à Vancouver, aux États-Unis, dans une petite ville qui s'appelle Vancouver. Et je trouvais l'idée tellement poétique, parce que tout le monde écrit, tout le monde a un manuscrit. Et là, c'était un refuge pour tous les dépressifs de l'édition, tous ceux qui ne trouvent pas de lecteurs. Et il y avait quelque part un endroit où ils pourraient déposer leur manuscrit. Et je me suis dit, tiens, c'est un point de départ magnifique pour un roman. Alors, je n'avais pas envie d'écrire un roman qui se passe aux États-Unis. Donc, j'ai décidé de placer l'action de mon livre en France, dans le Finistère, c'est-à-dire en Bretagne, au fin fond de la Bretagne. Parce que ce qui est très important dans cette bibliothèque, c'est qu'il faut déposer soi-même son manuscrit. Alors j'imaginais tous les écrivains français ou même européens, parce qu'il y a même des Polonais qui viennent à un moment donné dans mon livre, traverser toute la France pour aller déposer le fruit de leur échec dans cet endroit qui serait un peu leur tombeau littéraire.
Et donc, d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que le livre est devenu un très grand succès en France. Et une fois qu'il a été publié, et maintenant, dans la petite ville où se passe mon livre, à Crozon, il y a plein de gens qui vont vraiment déposer leurs manuscrits. et la bibliothécaire, elle reçoit comme ça des manuscrits. C'est joli, hein? Donc, c'est assez drôle comment la littérature peut devenir une réalité. Ouais. Sauf que moi, dans mon livre, la bibliothécaire, elle a une aventure un peu érotique. Ouais. Et donc, elle est un peu gênée quand les gens viennent. Peut-être parce qu'ils pensent que ça peut être elle. alors, je tiens à préciser que c'est pas du tout autobiographique. Enfin, c'est pas du tout réel. Hein, c'est vraiment de la fiction, quoi. Ouais. Et donc, c'est le point de départ du livre. Je me suis dit, tiens, c'est génial cette bibliothèque des livres refusés. Et là, il y a une jeune éditrice qui un jour passe en vacances chez ses parents en Bretagne. Et elle se dit, tiens, je vais m'amuser à voir tous les manuscrits refusés, tous les gens qui ont laissé leurs livres là. Et elle va découvrir un livre extraordinaire, écrit par un certain Henri Pic. C'est un livre qui s'appelle « Les dernières heures d'une histoire d'amour ». Et elle est bouleversée par ce livre. Elle est bouleversée par ce livre. Et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, il se trouve que c'est un livre qui a été écrit par un homme qui est mort et qui tenait une pizzeria. Et qui, apparemment, selon son entourage, n'a vraiment jamais lu et encore moins écrit de livre. Et c'est vrai qu'avec cette personnalité incroyablement mystérieuse, le livre va devenir un très grand succès. Parce que mon roman parle aussi de l'importance, parfois, de l'image qui prédomine, ou disons, la forme qui prédomine sur le fond. Et les gens adorent tellement l'histoire de ce pizzaiolo qui aurait écrit un chef-d'œuvre que ça va devenir un très grand succès. Jusqu'au moment où un journaliste va commencer à douter de la version officielle et se demander si ce n'est pas une sorte de coup littéraire, un peu comme Romain Gary qui avait créé un double littéraire, ce qui serait un coup génial. Et donc ce livre-là, en fait, c'est mon premier polar littéraire, puisque jusqu'au bout, on ne va pas savoir... Il ne faut pas le dire. Bah si, je vais le dire, ce n'est pas grave. Comme ça, vous ne l'achetez pas, le livre. Et mon éditrice, après, se fait une overdose de croquettas par dépression. Quoi. Il y a dans ce livre un autre parallélisme, on pourrait dire un autre prétexte, je ne sais pas. C'est cette histoire de la vie secrète de cette photographe américaine, Vivian, qui n'a jamais voulu... Vivian Mayer, oui. Qui n'a jamais voulu montrer l'éclat de son génie. Et quel est le rapport avec le livre de Pic? Vous avez tout à fait raison. Quand j'ai démarré le livre, il y a deux choses qui sont arrivées en même temps. Il y a cette découverte de la bibliothèque des livres refusés. Et en même temps, je regardais un documentaire sur Vivian Mayer. C'était une babysitter complètement excentrique. Et après sa mort, on a découvert une œuvre extraordinaire de photos. Maintenant, elle est une des artistes les plus cotées au monde. Parce que non seulement, c'est vrai qu'elle est une grande artiste, c'est un génie de la photo. Mais en plus, son histoire a fasciné les gens. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu montrer ses photos, n'a jamais cherché à exposer. Et après sa mort, on a découvert une œuvre incroyable. Et donc, c'est vrai que les deux, je me suis dit, c'est tout à fait plausible qu'un homme, pizzaiolo, du coup, ait pu écrire sans vouloir partager sa vie intime, sa création. N'ait pas parlé de son livre à sa femme, à son entourage, et écrit dans le mystère le plus total. L'histoire de Vivian Mayer, ça me permettait de dire que ce que je raconte est possible. Et donc c'était un élément très fort. Puisque ça a existé, pourquoi ça ne pourrait pas exister à nouveau? Et donc c'est vrai que ça m'a totalement inspiré. Bon, c'est une histoire incroyable, hein, Vivian Mayer. Oui, bon, il y a un extrait. Oui, moi dans mes livres, c'est vrai que j'adore raconter les choses que j'aime, parler des choses que j'aime, raconter d'autres histoires. Donc c'est vrai que dans ce livre-là, je vais parler de Pushkin beaucoup, je vais raconter l'histoire de Vivian Mayer. J'aime bien que dans mes livres, d'une manière générale, parler des films que j'aime, des chansons que j'aime, des tableaux que j'aime.
et même qui m'inspire et ce qui me touche. Et même des personnages réels. Il y a un mélange des personnages réels et des personnages de fiction. Oui. Vous citez Barbara et John Lennon, vous citez le ministre de la Culture, il y a Houellebecq et Becbédé, il y a un mélange. Ouais. D'ailleurs, Becbédé, il m'a dit oui, oui, je passe pour un idiot dans ton livre, merci. C'est marrant parce que quand on cite les vrais gens, ouais. Et ils prennent toujours mal. Alors que vraiment, pour moi, c'est très, très neutre. Alors, j'ai une chance incroyable, moi, c'est d'être traduit dans le monde entier. Donc, je n'ai certainement pas écrit un livre qui est franco-français, avec des références françaises. Mmh. On peut tout à fait lire mon livre sans connaître les personnes que j'évoque. C'est-à-dire, ce sont les vrais éditeurs en France, les vrais journalistes en France. Gallimard, Brasset, voilà. Mais on peut, voilà, le livre voyage sans problème. Moi, ce qui était intéressant pour moi, c'est pas un livre à clé ou avec des allusions à des gens qu'on connaît en France. Ce qui était très important pour moi, c'était que le livre soit réaliste. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'avais envie que cette histoire se passe dans un milieu réel. C'est-à-dire, effectivement, cette jeune éditrice travaille dans une maison d'édition qui est Grasset. Elle parle avec le patron de la maison d'édition qui est le vrai patron. Elle rencontre Houellebecq quand elle fait un stage. Donc effectivement, c'est un livre qui parle d'une manière générale de la vie littéraire. Je me suis rendu compte que c'est vraiment un livre qui parle beaucoup des romans, des libraires, des lecteurs, de l'édition aussi évidemment, de tous ceux qui aiment les livres. C'est vraiment un livre sur la littérature. C'est un hommage à la littérature, oui. Mais en même temps, il y a un moment où on parle, je cite, le bonheur d'être refusé. Et il y a justement un roman qui est sorti avec un bandeau qui dit « Ce livre a été refusé 32 fois ». Oui. Dans ce cas-là, donc, il y a une parodie aussi de la littérature ? Non, c'est plutôt une parodie du marketing. Mm-hmm. C'est-à-dire que, imaginez un livre qui a été découvert dans la bibliothèque des livres refusés, qui devient un incroyable succès. Alors tous les éditeurs vont dans la bibliothèque et cherchent des livres refusés. Et il y a un éditeur qui justement publie un roman avec un bandeau, comme si c'était un argument marketing, en disant « ce livre a été refusé 32 fois ». Et parce que comme si le refus finalement devenait une valeur. Mais ce qui est très intéressant, ce qui est très marrant, c'est que souvent quand il y a un succès, il y a beaucoup de conséquences comme ça, marketing. Après, dans le livre, il y a le ministre de la Culture qui décide de créer la journée des auteurs non publiés. Mmh. Alors, en France, il y a beaucoup plus d'écrivains que de lecteurs. Alors, c'est un gros succès, hein. C'est un énorme succès, quoi. Et vous savez, le marketing, c'est incroyable. Moi, j'étais en Allemagne, et d'ailleurs, je ne sais pas si ça marche ici en France, en Espagne, parce que ça a été aussi un très gros succès en France. Il y a un livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Énorme succès en Allemagne, en France, ici aussi. Bon, et ben après, en France, ils ont sorti le charme discret du foie, le charme discret du poumon. En fait, à chaque fois qu'il y a un succès, ils commencent tout le temps à décliner tout ça. Donc, d'un coup, le succès du livre d'Henri Pic, c'est la partie comique du livre, finalement, va créer beaucoup de conséquences. Oui, vous affirmez, les chefs d'œuvre s'accompagnent souvent d'un roman du roman. Oui. Vous en avez parlé. Donc, je cite dans mon livre d'ailleurs beaucoup d'exemples. Ouais, exactement. Est-ce qu'on peut fabriquer donc un best-seller ? Non, je ne crois pas qu'on puisse. Ah, c'est marrant, je ne crois pas qu'on puisse fabriquer un best-seller. Moi, c'est vrai que j'ai connu dans ma vie quelque chose d'incroyable, de surprenant, avec d'ailleurs du côté négatif et du côté positif. Mais je vendais très peu de livres pendant 10 ans. Et puis d'un coup, j'ai eu un succès colossal avec La Délicatesse. Et il y a un journaliste qui avait écrit « Ce livre a du succès parce qu'il possède toutes les recettes du succès. » Je dis « Bah d'accord, mais c'est quoi les recettes du succès ?» Moi, si j'avais eu les recettes avant, je l'aurais fait avant. Je n'aurais pas vécu dans mon petit 2 pièces pendant 10 ans. Et donc, il n'y a pas de recette. On ne peut pas fabriquer un best-seller. Et quelqu'un qui va imaginer, sinon tous les éditeurs feraient tout le temps des best-sellers. Quelqu'un qui va imaginer, tiens, on va faire un best-seller, ça ne marche jamais. Et d'ailleurs, les plus gros succès
littéraires sont improbables. C'est la magie de la littérature. Ce sont des livres que personne n'attend. Moi, la délicatesse, personne n'attendait la délicatesse. Il y a le livre en France qui a eu dans le monde l'élégance du hérisson. C'est des livres, personne n'y croyait. Donc les succès sont toujours improbables. Et donc les gens qui cherchent à faire des succès, de toute façon, ça ne marche pas. Mais par contre, l'autre partie de votre question, le roman s'accompagne toujours de... Parfois, le roman du roman peut aider à faire un succès, ça c'est vrai. Mais ça, c'est vrai de tout le temps. Quand on voit le succès extraordinaire de François Sagan à 17 ans, son livre est magnifique, Bonjour Tristesse. Mais c'est toute la personnalité, la façon dont elle était incroyablement moderne, la façon dont elle était sulfureuse dans sa façon de vivre. Romain Gary qui fait un double littéraire, qui permet vraiment aussi de susciter l'intérêt et l'admiration. Je cite plein d'exemples dans mon livre. Notamment, par exemple, le livre de John Kennedy Toole, La conjuration des imbéciles. Mm-hmm. Un livre refusé par tous les éditeurs. Mm-hmm. Personne n'a voulu de ce livre. Mm-hmm. Et l'auteur s'est suicidé à l'âge de 31 ans. Et sa mère était tellement désespérée, après le suicide de son fils, elle a harcelé les éditeurs. Elle a même dormi devant la maison d'édition, une maison d'édition. Et donc, il y a un éditeur qui a lu le livre et... Et c'est vrai que le livre a été publié après avec une préface de la mère et qui racontait l'histoire de cet auteur qui s'est suicidé par dépit. Et le livre est devenu un best-seller extraordinaire, c'est un livre magnifique, mais aussi parce qu'il y a toute l'histoire qui est accompagnée. Mm-hmm. Donc je cite beaucoup d'exemples comme ça, où finalement le roman du roman intéresse aussi beaucoup, ou autant que le roman. Ouais. Je cite aussi évidemment toute la liste des très grands livres qui ont été refusés. Ouais. Et donc, vous avez été refusé ? Moi j'ai été refusé, bien sûr. Et moi, moi, c'est un peu bizarre. Parce que mon premier roman, moi, je l'ai envoyé par la poste. Et j'ai été refusé partout, sauf par Gallimard. Et Gallimard, c'est la maison la plus prestigieuse en France. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme si vous faisiez, vous savez, les rencontres amoureuses, les blind dates. On se voit 7 minutes. C'est comme si toutes les filles avaient dit non, sauf la plus belle. C'est un peu bizarre quand même. Hein. Ouais. Et voilà. Et c'est un éditeur qui d'ailleurs... Moi franchement, je comprends les autres maisons d'édition. Moi j'aurais refusé mon premier roman. Mais mon éditeur était... Je ne sais pas ce qu'il lui a pris par la tête ou par les moustaches. Et d'ailleurs, il m'a dit... Il a dit dans la fiche de lecture, c'est complètement fou ce livre. C'est un peu mais ça vaut le coup d'essayer. Et c'est émouvant après parce que 10 ans après, j'ai eu beaucoup de succès et 15 ans après, j'ai eu le prix Renaudot. Ouais. Et finalement, il a senti qu'on pouvait faire quelque chose avec moi. J'étais pas nul. Mais bon, franchement, il a eu du courage. Hein. Moi, je vous déconseille vraiment de lire mes premiers livres. On ne pouvait pas terminer la lecture de ce roman sans être... saisi d'une curiosité totale à l'égard de son improbable genèse. Est-ce que dans vos romans, il y aurait une influence du cinéma ou de la structure des séries de télévision ? Des séries, non, parce que je n'en regarde pas beaucoup. Parce que tout le monde, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit « Oh, tu devrais voir cette série, c'est génial. » Et tous les 2 jours, on me donne un nouveau titre. Alors j'en ai marre. Je ne choisis pas et je ne regarde rien. Parce que tout le monde parle tout le temps de toutes les séries qu'il faut voir. Moi, je suis inspiré par les voyages, par la vie, par le cinéma, par la musique. Tout m'inspire. Par la peinture. J'ai pas le sentiment que... Enfin, c'est vrai que j'ai fait des études de musique. Donc, dans un premier temps, j'ai le sentiment que c'est peut-être plus la musique qui m'a inspiré. Le cinéma m'inspire pas spécialement quand j'écris un roman. Parce que je pense que quand on écrit, on a des images. C'est pas une question de cinéma ou pas de cinéma. On crée une vision avec des images et de toute façon, ça devient une sorte de cinéma dans sa propre tête. Mmh. Mais tout m'inspire. Ouais. Tout. Non, j'ai posé la question de ce rapport entre la littérature, la façon de construire, surtout ce dernier roman, et la construction des séries, parce que Le mystère Henri Pic est un roman en forme de poupée russe. Oui. Il y a énormément de personnages qui viennent,
que nous connaissons tous dans leur intimité, grâce à au monologue intérieur, oui. Grâce à un point de vue omniscient du narrateur, on les connaît tous. Et cette intrigue est organisée avec énormément de personnages qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a un autre qui revient, qui apparaît. Et cela m'a fait penser justement à ces structures. C'est vrai. Non, vous avez raison. Je n'ai pas été inspiré par ça, mais ça pourrait tout à fait... C'est un livre dont j'ai travaillé énormément le rythme et le rebondissement. Puisque c'est un livre qui vient après Charlotte, qui est un livre très, très grave, qui est un livre sérieux. Et c'est vrai que j'avais eu des grands prix littéraires et tout le monde attendait de moi à nouveau un livre sérieux. Et j'ai voulu vraiment, peu importe l'image d'ailleurs que ça pouvait représenter, parce que j'aime aussi le divertissement, j'aime la légèreté. Et j'ai voulu faire un livre qui soit plaisant, qui soit joyeux, qui soit dynamique, avec beaucoup de personnages, avec finalement au cœur du livre une enquête, donc un mystère. Et donc dans ces cas-là, il faut beaucoup de personnages pour que le lecteur ne sache jamais qui est le coupable. Ouais, ouais. Et ça, c'est assez excitant. Ouais. Et pour moi, c'était magnifique. Parce que moi, je ne suis pas du tout un auteur de polar, je ne suis pas du tout Joël Dicker, je suis incapable de faire ça. J'ai de l'admiration d'ailleurs pour ceux qui vous avez pu le faire. Et là, je me suis dit, je vais le faire pour la première fois. Mais moi, en écrivant le livre, je me suis dit, tiens, tout le monde va comprendre tout de suite. Tout le monde va trouver la clé du mystère. Du mystère. Et ça a été incroyable parce que c'est vrai que quand le livre est sorti en France, j'ai vu que les gens étaient vraiment surpris par la fin. Et vous aviez la fin quand avez commencé le début? Ce genre de livre, c'est impossible de l'écrire si on n'a pas la fin. Ça, c'est impossible. Parce que tout repose sur finalement une vérité que l'auteur doit savoir. Donc je peux pas, c'est vraiment un livre que j'ai pas du tout écrit au fil de l'inspiration. C'est un livre qui est totalement planifié. C'était d'ailleurs excitant parce que j'ai pas fait souvent des livres comme ça. Normalement vous faites des ébauches, il y a des ébauches de vos romans, plusieurs versions. Des dizaines. Mais chaque livre est écrit avec une énergie différente. Je refais jamais la même chose. Et je n'écris jamais, pour moi, un livre de la même manière. C'est comme des histoires d'amour, c'est comme des histoires d'amitié. Enfin, moi, j'ai un rapport humain avec le livre. Donc, j'ai pas de mécanique. Il y a des livres, La Délicatesse, qui a été un succès colossal, c'est un livre que j'ai écrit très vite, pratiquement du premier jet. Charlotte, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Pour trouver les mots, pour savoir comment parler d'elle, comment trouver les mots sur l'admiration et l'amour qu'on peut éprouver pour quelqu'un. C'est très très difficile. Ouais. Et donc, là je suis en train de... Mon prochain livre sort au printemps en France. Et là je suis en train de le réécrire, d'une manière infinie. Vous savez le titre? Le titre? Ben oui, mais bon... On ne peut pas dire. Bon, ça s'appelle La vie, c'est bien meilleur qu'un roman. Non, c'est pas vrai. Parce que mon éditrice Maria, toute l'après-midi, on parle, on a déjeuné ensemble. À chaque fois qu'on parle, toutes les trois phrases que je dis, elle me dit oh, ça serait un titre super. J'ai dit on peut arrêter de parler de livres, de titres. Je dis la vie, c'est quand même plus importante que la littérature. Et elle me dit oh, ça si, ça serait un titre super. Ah oui. Non, alors le livre, ça va s'appeler Vers la beauté. C'est un livre sur justement, c'est un livre finalement, je me rends compte très personnel. C'est un livre sur la beauté, c'est un livre sur la peinture. C'est un livre sur l'idée que quand on va mal ou quand on vit quelque chose de difficile, on peut aller se réfugier vers ce qui nous touche, vers ce qui nous émeut, mais que ça soit un tableau, une musique. Et en fait, c'est souvent à la fin de l'écriture des livres que je me rends compte de la raison, ou en tout cas que je comprends pourquoi j'ai écrit ce livre. Et moi, au cœur de ma vie, vraiment, le point essentiel de ma vie, c'est que j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai été opéré du cœur, j'ai failli mourir. J'ai passé des mois à l'hôpital, et alors que je n'étais pas issu d'un milieu culturel. C'est vraiment grâce aux livres, grâce à la musique, grâce à la peinture, grâce à la beauté, à l'art d'une manière générale, que j'ai vraiment renoué avec la vie. Donc, c'est vraiment à la fin du livre que je me suis dit, tiens, mais je comprends pourquoi j'ai écrit ce livre. Oui, c'est encore un éloge, non seulement de la littérature, mais de l'art ou de la... Oui. Hein?
Mais bon, c'est un livre qui sera moins drôle que celui-ci. Que Henri Pic, que la bibliothèque des livres refusés. Alors le livre, il s'appelle, une anecdote, le livre en Espagne s'appelle La bibliothèque des livres refusés. Oui. Donc la Biblioteca de los Libros Rechazados. Et en France, il s'appelle Le mystère Henri Pic. Mm-hmm. Mais mon premier titre et mon vrai titre en France, c'était La bibliothèque des livres refusés. Mais il y avait un autre livre qui a été publié en France qui avait à peu près le même titre. Uh-huh. Et mon éditeur m'a demandé de changer. Uh-huh. Donc Maria, mon éditrice en Espagne, et je pense aussi les Catalans aussi, ils ont pris le même titre. Ils ont pris, hein. Le Castillan et Catalan, voilà, ont repris le titre initial. Original. Le seul pays au monde qui a repris le titre initial. Je vais lire une note en bas de page de Henri Pic. Sûrement l'activité qu'il détestait le plus au monde avec la pratique de n'importe quel sport. Il pouvait devenir fou à l'idée d'entrer dans un Zara ou un H&M, surtout à cause de la musique. Est-ce qu'il y a des touches autobiographiques dans Henri Pic? Est-ce qu'il y a de l'autofiction un peu dans un livre comme des souvenirs? C'est incroyable que vous citez cette phrase. Parce que je pense que c'est la phrase la plus autobiographique du livre. Moi, je vais jamais acheter des habits. Je suis toujours habillé pareil parce qu'il y a trop de musique dans les magasins. Ouais. Ça me rend complètement fou. Mais en tout cas, c'est certain que j'existe dans chacun des personnages. Ouais. Je mets des choses de moi. Pour moi, la littérature, forcément, même si c'est de la fiction, c'est extrêmement vivant. C'est inspiré de ma façon de voir les choses. Tout à l'heure, je parlais des livres que j'aime, que je partage, mes goûts dans mes livres. Il y a aussi, tous les personnages sont porteurs de ma façon de voir les choses ou de ressentir les choses. Donc là, oui, en l'occurrence, c'est vrai que ouais, c'est une partie autobiographique qui est accolée au personnage le plus dépressif du livre. Donc je ne peux pas dire que c'est moi quand même, hein, mais c'est un journaliste littéraire qui est vraiment sur le déclin. Et voilà, grâce à cette histoire, ce personnage de Rouche est très important. Il apparaît à la fin, presque à la fin du livre, oui, mais il devient quand même, mais oui. Très important. Très important. D'ailleurs, très important, parce que il a des doutes par rapport à, oui, à Pic, et puis, à l'existence de Pic, fait, écrivain. Et malheureusement, pour diverses raisons, l'histoire de cette publication et de ce livre, oui, va lui créer beaucoup de problèmes. Mmh. Donc, ouais, il va en faire une affaire personnelle. Et d'ailleurs il y a un film en préparation. Ah ouais, voilà. Adapté de ce livre. Oui. Et le réalisateur qui a aussi écrit le scénario, cette fois-ci, c'est pas moi, a vraiment centré l'histoire de tout le livre sur ce personnage. C'est celui qui raconte un peu les choses. Oui, en tout cas, c'est lui qui mène l'enquête et vraiment, et du, ouais, coup, c'est génial parce que c'est un rôle, c'est devenu un rôle tellement fort que c'est le grand acteur Fabrice Luchini. C'est un personnage très polar. Ouais. Et donc c'est Fabrice Luchini qui va faire le rôle. Mm-hmm. Je sais pas si vous le connaissez, mais vraiment, je suis très très heureux parce que c'est un érudit littéraire et donc il va amener beaucoup de choses à ce personnage. Et donc dans ce jeu, dans cette jeu du littéraire au cinématographique, dans les adaptations, est-ce qu'il y a des trahisons? Parce que j'ai l'impression quand les images, vous avez parlé des images, les images dans le cinéma, on les a, sont canalisées. Tandis que oui, l'imaginaire du lecteur est beaucoup plus libre. Oui, oui, non, mais vous avez raison, mais ça, c'est normal. Moi, quand j'ai réalisé le film La Délicatesse, oui, Avec Audrey Tautou. Tout le monde m'a dit, mais pourquoi vous avez pris Audrey Tautou? Parce que dans le livre, elle est blonde. Alors, j'ai jamais dit qu'elle était blonde dans le livre. Hein. J'avais simplement écrit féminité suisse. Alors, bon, chacun après imagine ce qu'il veut, mais c'est normal. Quand on lit un livre, on se fait son propre film. Donc, les gens après comparent. C'est pour ça que mon nouveau film, qui est en salle, là, qui est sorti il y a 2 semaines en France, avec Karine Viard. D'ailleurs, si vous voulez aller le voir à Biarritz, hein, c'est pas très loin. Jalouse, c'est pas une adaptation d'un roman. Mon frère et moi, on voulait pas faire un film qui soit adapté d'un de mes romans. La trahison, elle existe forcément, et tant mieux. Enfin,
Pour moi, les adaptations, tous mes livres sont en cours d'adaptation, vont devenir des films. Voilà, il faut que ça soit assez libre. Moi, je ne suis pas du tout un psychopathe de mes romans. Et là, par exemple, le projet d'Henri Pic, il se détache un petit peu du livre, et tant mieux. Et puis après, c'est le destin d'une adaptation. Moi, j'ai connu des adaptations merveilleuses et puis des adaptations moins réussies. Ouais. Alors, souvent, je dis que quand le film est bien, c'est grâce à mon livre. Et si le film n'est pas bien, c'est à cause du réalisateur. Ça, c'est bien. C'est vrai. Oui, mais c'est bien comme solution. Mais ce n'est pas très important. Ouais. Moi, je n'écris jamais un livre en me disant... Oui, le livre à la livre, le film oui, à le film. Oui, moi, c'est très bizarre d'ailleurs pour moi que tous mes livres maintenant... Parce que mon écriture est devenue plus réaliste. Mm-hmm. Tous mes premiers livres n'étaient pas du tout adaptables parce qu'il y avait beaucoup de loufoquerie, d'absurde. À partir du moment où moi, j'adore raconter des histoires, je raconte des histoires dans mes livres et que ce sont des histoires réalistes, le cinéma s'empare de tous mes livres. Mm-hmm. C'est d'ailleurs toujours étonnant parce que je sais que parfois on peut ne pas me croire si je dis ça, mais il n'y a pas un seul de ces livres qui a été écrit en pensant que ça pouvait faire un film. Même La Délicatesse, quand c'est mon frère qui a le livre, il m'a dit « mais c'est ça qu'on doit faire ». Je lui ai dit « non, je ne crois pas, ce n'est pas un film ». Donc j'ai du temps à imaginer que ça peut devenir un film. Les souvenirs, Los Recuerdos, le film est vraiment magnifique. C'est un réalisateur qui est un acteur très connu qui a fait le film Jean-Paul Rouve et j'étais très heureux de ce film. Non, mais c'est vrai que vos livres sont remplis d'anecdotes, des notes en bas des pages, comme je viens de citer déjà oui. plusieurs. Ça justement, offre un réalisme extraordinaire au livre. Les histoires... notes en bas de page ? Oui. 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 Oui, moi, en tout cas, j'adore les notes en bas de page. je trouve ça sexy. Mais c'est important, moi je trouve qu'il y a l'objet, le livre, a une vie aussi sensuelle. Et moi quand je lis une page, quand je vois une page, et que je vois une petite note en bas de page, ça me plaît beaucoup. Oui. Bah alors, surtout mes notes en bas de page, dans mes livres, elles ne servent à rien. Si, si. Non mais c'est des anecdotes, ou des pensées. Des anecdotes, voilà. Ou alors, elles sont très importantes. C'est-à-dire que je vais dire une information essentielle dans la note en bas de page. C'est un peu pour réhabiliter la note en bas de page. Moi, je trouve qu'on parle pas assez de la souffrance de la note en bas de page. Il faudrait quand même faudrait se mobiliser. Une vie propre. Non, mais il faudrait se mobiliser un petit peu. Bon, on y va. Maria, c'est pas un bon titre, ça, la souffrance en bas de page ? La souffrance de la note en bas de page. Ah, voilà un titre. Et d'ailleurs, dans le livre de Villamatas que je citais tout à l'heure, ouais. Il y a un écrivain il parle d'un écrivain qui a écrit que des notes en bas de page. Ouais, ouais. C'est vraiment un magnifique texte, hein, Bartleby et compagnie. Ouais. Et puis, votre roman Charlotte, qui est un roman extrêmement lyrique, vous avez fait une quête historique, une quête biographique, vous avez fait un important travail de recherche. J'ai eu l'impression avec ce livre que les limites ou les frontières entre les genres littéraires bousculent, parce que c'est un roman qui s'approche énormément de la poésie, d'un poème. Ben, le but, enfin, quand on écrit, il faut avoir une voix propre. Moi j'ai aucun problème avec l'idée qu'on n'aime pas mes livres. On les aime, on les aime pas, chacun a un jugement. Mais le but, l'essence même de la création, ça va être la particularité. Donc c'est un livre qui est très très particulier dans sa forme, dans sa façon d'être écrit. Oui, ça peut paraître... J'explique dans le livre pourquoi je l'ai écrit comme ça. C'est pas de la poésie. Ça ressemble à de la poésie, mais c'est vrai que j'ai expliqué dans le livre que c'est un livre que pendant des années, j'ai abandonné, j'arrivais pas à écrire parce que l'histoire de Charlotte était trop difficile, parce que c'est un livre qui m'étouffait d'une certaine manière. J'ai commencé à aller à la ligne, phrase après phrase, à respirer, à mettre de la douceur dans son histoire. Ouais. Et donc, ce n'était pas une entreprise poétique, mais cette façon d'écrire le livre m'a permis de l'écrire. Et donc, c'est un livre aussi, au bout d'un moment, j'ai compris que ça ne pouvait pas être une biographie classique. C'est une biographie émotionnelle. Ce que je raconte dans le livre, c'est toute la vie de Charlotte, mais je raconte aussi pourquoi elle me touche, pourquoi elle est si importante pour moi, pourquoi j'ai eu le besoin... un peu bizarre, qu'on peut tous ressentir par moments, d'être traversé par des étrangetés, c'est-à-dire, moi j'avais envie d'aller sur les lieux de sa vie.
pas pour faire une enquête, pas pour rencontrer des témoins, simplement pour être là, là où Charlotte avait vécu. Donc je raconte aussi dans mon livre pourquoi parfois on est attiré d'une manière étrange par quelqu'un. Et vous avez glissé le « je », la première c'est personne. C'est la première fois, c'est le seul livre où je suis vraiment présent, ça c'est sûr. Et je raconte non seulement mon enquête, mais mon rapport à elle. Finalement, j'avais envie que les lecteurs viennent avec moi sur les traces de Charlotte Salomon. Je peux vous dire que ce livre, qui raconte vraiment un destin douloureux et tragique, mais en même temps qui n'est pas écrasant de douleur, parce que l'œuvre de Charlotte Salomon, c'est une peintre extraordinaire, avec tellement d'humour, de fantaisie, de douceur, de lumière, j'avais envie de rendre hommage à son œuvre à travers le livre. Donc même si l'histoire est tragique, à travers cette écriture, comme ça, en respirant, j'ai tout fait pour qu'il y ait de la douceur. Eh bien, ce livre-là, écrit de cette manière, presque comme de la poésie, en racontant une histoire si difficile, avec la particularité que j'interviens comme ça, en plein milieu de la vie de Charlotte Salomon, je raconte sa vie et en même temps je suis à Berlin de nos jours. Ce livre-là, c'était toute mon énergie la plus honnête dans la création. J'ai mis 10 ans, j'ai mis toute ma vie dans ce livre-là. J'étais persuadé que ce livre-là, par sa particularité, ne pourrait pas marcher comme mes autres livres. Donc, finalement, il y a quelque chose de très surprenant qui s'est passé avec ce livre, qui a été un succès colossal et qui, en plus, au début, les gens lisaient le livre et disaient « Mais c'est quoi ce truc ?» Ils refermaient le livre. C'était très bizarre. Et moi, ça n'avait pas d'importance pour moi. Je me disais « Si une seule personne va lire le livre, c'est une personne qui va découvrir Charlotte Salomon. Donc j'aurais réussi ma mission. Vous imaginez, ça a été au-delà de tous mes espoirs. Le livre en France, c'est 1 million d'exemplaires, il est traduit dans le monde entier. Actuellement, il y a l'intégrale de Charlotte Salomon pour la première fois exposée à Amsterdam. Là, il va y avoir Taschen qui sort de l'œuvre de Charlotte Salomon. J'ai écrit un texte là pour Osmoda. Il y a eu des grandes cérémonies à travers toute la France. Il y a eu des plaques commémoratives. Il y a un très grand film qui se prépare international. Moi, c'est l'enjeu de ma vie, ça a été la plus belle victoire de ma vie, ce livre-là. Mais au tout départ, je me suis dit, mais si quelques personnes allaient découvrir Charlotte Salomon grâce au livre, ça serait merveilleux. Mm-hmm. Et il s'est passé quelque chose d'assez fou, en fait, avec ce livre. Et ça prouve que... Que la littérature bouleverse les vies. Oui, peut-être, mais c'est surtout que ça prouve que l'expression de notre particularité, y compris si on vous dit, mais ça ne peut pas marcher, ou ça, c'est pas possible, eh bien, si on est obsessionnel, si on est juste avec ses émotions, si on est sincère, il y a quelque chose de l'ordre de la vérité qui se dégage de ça. Et moi, je voyais tout le monde au début qui disait, non, mais ça va être vraiment illisible. Et c'est le livre qui a eu le concours des lycéens et qui a étudié au bac. C'est-à-dire que tout le monde a dit que c'était illisible. Et puis, en fait, le simple, parce que c'était écrit phrase par phrase, et en fait, c'est un livre qui est très facile à lire grâce à ça. Et moi, je n'ai pas prémédité ça, mais tous les jeunes le lisent. Et au-delà de mon livre, je suis heureux qu'ils le lisent parce que pour moi, cette femme-là est un exemple extraordinaire de courage. Quelqu'un qui, alors qu'elle est au bord du désespoir, dans une souffrance totale, va transformer sa vie en une source de création, de beauté, d'intelligence. Et son œuvre, elle est tellement émouvante et tellement puissante. Donc, pour moi, au-delà du livre, j'avais envie que les jeunes, et pas que les jeunes, évidemment, connaissent cette femme. Parce qu'on peut aller mal et il y a quelque chose de l'ordre de la force intérieure qui nous permet de tout surmonter. Ça va, je parle pas trop vite ? Et vous avez parlé à plusieurs reprises de l'amour. Dans tous vos romans, c'est un sujet qui est présent, qui est récurrent. Dans votre prochain livre, va parler de l'amour, d'après ce que vous avez dit, d'une certaine manière. Ah non, manière, j'ai pas dit ça. À peu près. Et oui, non, l'amour de la peinture. Oui, oui. L'amour en général. C'est vrai. Hein. Oui. Êtes-vous pessimiste ou optimiste par rapport aux amours ? Oh, très pessimiste. Hein. Je crois qu'il faut arrêter hein. Toute relation. Il faut faire du tango. Non, arrêtez, c'est fini tout ça. Non, alors moi, non, sérieusement, je vais vous dire très honnêtement, je n'ai aucune réflexion
générale sur l'amour. Pour moi, l'amour, justement, c'est l'affaire de chacun. Il se réinvente tout le temps. Donc, il n'y a pas du tout à être optimiste ou pessimiste. Certaines personnes ont toutes les raisons d'être optimistes, et tant mieux pour eux. D'autres, à l'évidence, au bout d'un moment, ils deviennent très pessimistes. C'est le triste sort de la vie de chacun. Donc moi, je raconte des histoires avec des personnages particuliers qui vivent des histoires. Donc certains sont portés par une énergie positive, et puis d'autres de mes livres, voilà, les histoires d'amour vont être plus difficiles. Au-delà de la question de l'amour, par contre, vous avez raison. Je ne vais pas dire que je suis optimiste, moi. Mais de par mon passé, de par le fait d'avoir frôlé la mort, et d'ailleurs, c'est aussi le sujet principal du livre sur Charlotte. C'est pour ça que ce thème m'a obsédé aussi. C'est comment revenir de la mort. Ouais. Ça, forcément, comme tous les gens qui ont été malades ou qui ont vécu des choses difficiles ou qui ont traversé des épreuves, on est propulsé dans une énergie où on a envie de savourer les choses, on a envie de voir le côté positif des choses. On n'est pas écrasé par le pessimisme. Moi, j'ai cette énergie-là. Ouais. Donc, dans mes livres, ce n'est pas l'amour qui est porté par l'optimisme. C'est beaucoup de choses. C'est même la façon de voir la vie. Mais je n'écris pas des livres où tout le monde va être merveilleux et tout va bien. Non. Mais en tout cas, j'ai envie de me dire, dans chaque situation, qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce qui mérite d'être vécu ? J'ai envie de voir le bon côté des choses. Et ça, c'est vrai que parfois, d'ailleurs, c'est mal perçu. Hein. Moi, j'avais... Parfois, les notions positives, elles sont mal perçues. C'est drôle. Hein. En France, par exemple, moi, j'ai dans La Délicatesse, le personnage principal, il est bienveillant, il est porteur d'une gentillesse. Et pourtant, il est suédois. Et souvent, quand on dit de... Et c'est ce qu'on disait à propos de ce personnage, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, oui, ça veut dire qu'il est con. Ben, en France, hein, je ne sais pas ici, hein, mais quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, c'est toujours très péjoratif. Alors que c'est magnifique d'être gentil. Quelqu'un qui est gentil, mais je ne sais pas, la gentillesse, c'est sublime. Et donc, il y a parfois comme ça l'optimisme, les choses bienveillantes ont très mauvaise publicité. Mais moi, ça n'a pas d'importance pour moi. J'ai maintenant une très grande liberté. Le jugement des autres ne me touche pas tant que ça. Et donc, je vais vraiment là où mon inspiration me porte. Si elle me porte vers la légèreté, vers le divertissement, j'en suis très heureux. Là, notre film, là... comment dire, est sorti en France. On a fait toute une tournée d'avant-première. Bah, quand je suis dans une salle de cinéma et que j'entends les gens rire, ça me rend aussi heureux que quand les gens sont bouleversés par l'histoire de Charlotte Salomon. J'ai une grande, grande admiration pour les gens qui me font rire. C'est ce que je préfère d'ailleurs, je crois. Est-ce que vous faites partie d'une génération littéraire en France ? Vous êtes proche d'autres écrivains ? Non. Non. Artistiquement ? Oui. Après, j'ai beaucoup d'amis écrivains. Bien sûr. On se lit tous, je les connais tous, on se croise. Il y en a plein que j'admire, je respecte. Je ne crois pas qu'on puisse parler maintenant. En fait, c'est très simple. Les générations se créent par rapport à des contextes politiques. C'est-à-dire, et puis les uns contre les autres. Les hussards sont arrivés contre le nouveau roman, enfin, ainsi de suite. Mais il y a des affinités littéraires, il y a des affinités formelles, thématiques. Maintenant, j'ai l'impression que chacun, ouais, chacun vit d'une manière indépendante dans son univers. Je ne peux pas vous dire que maintenant, alors, vu mon talent extraordinaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se revendiquent de moi. Là, alors personne n'a ri, tout le monde a cru que c'était sérieux ce que j'ai dit. Alors soit ça a été mal traduit, soit les gens pensent que j'ai un ego surdimensionné. Quoi. Non, c'était une blague. Hein. Mais moi par contre, j'aime bien, je suis très attentif à plein de jeunes écrivains. Ouais. Il y a plein de gens que je trouve talentueux. Mais il y a un essor de la littérature française qui est magnifique. À ce moment-là.
Oui, je trouve. Mais il n'y a pas de concurrence, c'est parce que les univers ne s'empiètent pas du tout. Mmh. Moi, je trouve que... Je vois pas vraiment de... Comment dire, de groupe qui pourrait... Il y a peut-être, dans les années 90, on a commencé à parler de l'autofiction. Beaucoup d'écrivains qui racontaient leur vie d'une manière extrêmement nombriliste. C'était d'ailleurs parfois très intéressant. Mais maintenant, je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment... Il y a évidemment Houellebecq qui domine un peu la littérature française, ça c'est évident. Et donc qui donne un peu une tonalité comme ça d'image un peu à la fois pessimiste, cynique, mais aussi très brillante intellectuellement. Nihiliste, oui. Oui, ouais. De la littérature française, et tant mieux. J'ai lu d'ailleurs un magnifique article de Emmanuel Carrère à propos de Michel Houellebecq. Il disait qu'il était très énervé contre Michel Houellebecq. Très énervé contre Michel Houellebecq parce qu'il disait ça avec de l'humour, évidemment. Ouais. Parce qu'il a un peu écrasé tous les autres écrivains français de sa notoriété. Et il a traité Michel Houellebecq de caillou dans la chaussure. C'est le petit truc qui fait que qui on t'agace. Peut pas marcher tranquillement. Ouais. J'adore, c'est génial. Mm-hmm. Donc voilà, pour moi, Emmanuel Carrère, Michel Houellebecq, il y a quand même peut-être cette école-là, un peu comme ça, sur le mélange de la vision du monde et la réalité. Oui, il y a par exemple Modiano ou... Modiano, il a sa propre... il a son propre groupe, hein. C'est lui-même, quoi. Non, il a créé un univers. Moi, Modiano, c'est une très grande inspiration pour moi. Parce que mes livres sont beaucoup marqués par la mémoire. Oui. Notamment Charlotte, évidemment. Et dans mon livre Les Souvenirs, qui parle beaucoup du passé, de la mémoire, j'avais cité une phrase de Modiano très importante pour moi, qui suis un peu mystique. Forcément, quand on a failli mourir, on est mystique. Mm-hmm. Il avait cité une phrase qui dit « J'avais 20 ans, mais ma mémoire précédait ma naissance. Ah, » C'est ce qui m'a toujours beaucoup fasciné chez Modiano. L'idée qu'il puisse être hanté par une période qu'il n'a pas connue. Mm-hmm. Mais physiquement, pas une sensation, pas de l'étude. Et donc, je crois beaucoup en ça, moi, aussi. Il y a aussi. J'ai d'ailleurs envie d'écrire là-dessus. Jean Echenoz est venu ici, oui, à Saint-Sébastien aussi. Et il y a aussi ce côté, comment dirais-je, qui fait la parodie des genres littéraires. Oui. Non, mais Jean Echenoz aussi, c'est une école aussi qui est liée aux éditions de Minuit. Mmh. Et vraiment, ce sont de très bons écrivains, ça c'est certain. Bon, je suppose que vous avez des questions, que vous voulez poser des questions à David. Je vous donne la parole. On n'a parlé que de vous avez parlé, Emmanuel Carrère, Houellebecq, Modiano, que des hommes. Oui. Il y a des femmes en ce moment. Qu'est-ce que vous diriez, Lydie Salvet? Elle est vraiment étonnante, votre question, parce que j'ai parlé de mes romans, de Charlotte Salomon, de l'inspiration de toutes les femmes. Là, il se trouve qu'on a cité 2-3 écrivains comme ça. Comme ça. Moi, je peux vous citer plein de... J'ai étudié Duras, j'adore Nathalie Sarraute. J'adore Leïla Slimani qui a eu le Goncourt l'année dernière, je la trouve formidable. J'ai plein d'amis écrivains, Karine Thuil, j'adore la littérature. J'ai pas cité que des hommes. Parce qu'on a parlé, c'est vrai que Houellebecq, c'est l'écrivain quand même le plus, à mon avis, important. Mais moi, évidemment, j'adore plein d'écrivains femmes. Mais j'ai été surpris parce que moi, je me sens très féministe dans ma façon de vivre, dans ma littérature. Là, je passe mon temps, j'ai fait que des interviews. J'ai fait encore mon dernier film, c'est un portrait de femme. Et comment faites-vous pour comprendre les femmes? Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, hein, je ne dis pas que j'y comprends, mais c'est vraiment... C'est vraiment un moteur très important dans ma vie. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu... Mais je comprends. On n'a pas... Si j'avais fait une conférence d'une heure sur la littérature française et que je n'aurais pas cité un seul écrivain femme, là, je comprends que vous auriez pu dire oui quand même. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Et vous aimez qui, vous? Ah non, mais... Ah oui. Ah, c'était une sensation. Le mec domine la littérature française. Oui. Ah bah oui, mais ça c'est un fait incontestable. Je veux dire, de par sa notoriété internationale, on peut ne pas aimer ses livres. Moi je les adore, mais on peut juger juste sur l'aura de Michel Houellebecq. Moi c'est simple, je voyage dans le monde entier,
Je suis traduit dans le monde entier et très régulièrement, on me demande ce que je pense de Michel Houellebecq. Mais maintenant, je vais dire que c'est un caillou dans la chaussure. Non, je pensais parce que c'est vrai qu'il y a 15 jours, on a eu ici, qui est-ce qui est venu Lydie Salvert, ouais. Minoui. Oh ben, oui. Bon, Lydie Minoui, Salvert, c'est une journaliste. Hein. Lydie Salvert, vous savez, Charlotte a été en finale du prix Goncourt. J'ai eu 4 voix en finale. Donc j'étais à ça d'avoir le prix Goncourt. Et cette année-là, c'est Lydie Salvert qui l'a eu. Et ben, si vous regardez là, moi j'arrive devant. J'ai eu le prix Renaudot, donc ça va. Hein. Mais tout le monde est venu me dire, alors, vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir le concours. Et j'ai dit, mais c'est magnifique, Lydie Salvert, c'est une femme formidable. Et j'étais très heureux pour elle. Bon, elle m'a volé mon prix Goncourt, mais c'est pas grave. Le prix Goncourt des lycéens, en ce moment, oui. Non, mais je dis ça avec ironie, parce que je peux vous dire que moi, le fait d'avoir le prix Renaudot, c'était déjà magnifique. Et en plus, le fait de ne pas avoir le prix Goncourt, ça me laissait en lice pour le Goncourt des lycéens. Et je dois vous avouer que c'était le prix qui me faisait le plus rêver. Vraiment. Il me touchait particulièrement, et surtout pour Charlotte. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est un prix qui a de plus en plus d'importance, je suis d'accord avec vous. Vous êtes une spécialiste de la littérature, non ? Non, je suis pas une spécialiste. Oui. Dans la littérature. Lectrice. Et Lydie, ça a été ? Elle va bien ? Pardon ? Elle va bien, Lydie ? Lectrice. Elle est venue ici, Lydie Salvert ? Oui, oui. Super, ok. Tant mieux. Oui, oui monsieur. Monsieur. Il y a un micro, là. Vous savez, c'est un festival avec un énorme budget. Merci. Ça vous est arrivé de rejeter un roman mondialement reconnu, de vous permettre de contrarier tous ceux qui ont reconnu, qui ont accepté un roman, je pense par exemple à Hemingway et Fiesta. Je pense au dernier concours, là, Vior, L'ordre du jour. Mm-hmm. Je l'ai lu récemment et mm-hmm. je me demande pourquoi il a reçu. Ça vous est arrivé de vous demander vous-même pourquoi est-ce qu'il a excès, pourquoi est-ce que cela est un succès mondial? Bien sûr. Chacun, on a tellement notre sensibilité particulière. On va parfois, c'est pareil pour les films, que tout le monde adore, on regarde le film, on ne comprend pas. Chacun a son propre goût, puis parfois à l'inverse. C'est plus intéressant d'ailleurs à l'inverse. Quand on adore quelque chose et on le fait lire à tout le monde, et puis tout le monde dit « Ah bon, non, on ne comprend pas, les gens ne comprennent pas pourquoi vous aimez ça. » Et je trouve que ça, c'est plus intéressant de s'interroger sur pourquoi on aime quelque chose que personne n'aime. C'est notre particularité. Mais heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Et d'ailleurs, parfois, les grands succès comme ça, ce n'est pas forcément les choses les plus intéressantes. Hein. Enfin, je pensais ça avant d'avoir du succès. Quoi. Vous avez d'autres questions? Sinon, on va aller manger des croquettes. Hein. Le succès vous a changé la vie? Oui. A bouleversé votre vie? Bouleversé, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, oui, bien sûr. Ça ne m'a pas changé dans mon énergie de vie, de personnalité, de création. Je suis toujours animé en permanence par ce que je vais faire après. J'essaie de travailler. Tout à l'heure, je disais, voilà, on aime ou on n'aime pas mon travail, mais je travaille excessivement, j'essaie de faire mieux. Mon film, là, je suis tellement heureux, il marche très très bien, mais on a travaillé avec mon frère 3 ans sur ce film. Voilà, on a essayé vraiment de faire mieux. Donc c'est ça qui est le plus important pour moi. Ça a changé ma vie parce que j'ai une liberté totale. Je sais la chance que j'ai de pouvoir vivre de ce que j'aime, d'avoir aucun compte à rendre, de ne pas avoir de patron, de... C'est extraordinaire. Hein. Moi, je ne viens pas du tout d'un milieu culturel, je viens d'un milieu très modeste. Je saisis vraiment cette chance. Ça a changé ma vie totalement, puisque je peux me vouer uniquement à ma passion et à ce que j'aime. Et je sais chaque jour à quel point c'est une chance. Et puis, je voyage partout, je rencontre plein de gens intéressants.
c'est pas la partie, comment dire, superficielle du succès qui m'intéresse. Ouais. C'est tout ce que ça m'apporte en richesse de vie et en rencontre, en stimulation intellectuelle. Et vous maîtrisez votre temps pour écrire, vous contrôlez. Ah oui, mais parce que moi j'ai vraiment, parfois les gens me demandent comment, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai écrit plusieurs films cette année, j'ai fait un film, j'ai écrit un roman. En fait, je travaille tout le temps. Et pour moi, quand je voyage, ce sont toujours des moments où je travaille beaucoup. J'adore écrire. En fait, il y a des écrivains qui ont besoin d'avoir leur lieu précis. Moi, j'écris beaucoup dans les trains. J'adore écrire dans les trains allemands, c'est mon grand plaisir. Souvent, je fais des grandes tournées en Allemagne pour mes livres. Et, c'est d'ailleurs un peu un cercle vicieux parce que Henri Pic, ce livre-là, la bibliothèque des livres refusés, c'est un livre que j'ai grandement écrit quand j'ai fait une très grande tournée en Allemagne pour Charlotte. Et après, quand j'ai fait la tournée pour Henri Pic en Allemagne, j'ai écrit mon prochain livre. Quoi. Donc à chaque fois, j'adore écrire comme ça où je suis perdu un peu. Je ne sais pas où je suis, dans les hôtels, dans les trains. Mais je ne voyage pas autant que ça, c'est-à-dire que je voyage beaucoup par rapport à d'autres personnes, évidemment, mais j'ai une vie aussi très, très comment dire, casanière chez moi, avec mes enfants. J'ai vraiment une vie très, très simple aussi. Vous avez fait des livres très différents, je trouve, des biographies, des livres plus historiques, des livres plus personnels, oui. des polars, oui. Cette enquête littéraire. Où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous préférez comme genre? En tout cas, ce que je préfère, et ce qui est très important pour moi, c'est d'essayer de me dire que si j'ai parvenu à faire quelque chose, eh bien, je ne trouve pas ça très intéressant de le refaire. Le succès de La Délicatesse, vraiment, ça a été colossal, aurait pu me propulser vers un type de vie littéraire où j'aurais écrit que le même type de livre, La Délicatesse 2, 3, ainsi de suite. Ouais. Je me dis, non, j'ai prouvé dans mon parcours que je n'avais pas peur de perdre mon public, de surprendre les gens, d'aller d'un coup écrire un livre Charlotte qui était vraiment commercialement un suicide annoncé. Et qui est devenu un grand succès. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer tout le temps. Donc, je ne peux pas vous dire ce que je préfère ou ce que... Il y a des livres que j'aime moins, il y a des livres où j'ai pris plus de plaisir, qui m'ont plus stimulé intellectuellement. Mais ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant en ayant pour mot d'ordre quelque chose que je n'ai jamais fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis rendu compte, notre film, là, Jalouse, les critiques parlent beaucoup de, c'est sur la jalousie, notamment Murphy qui est un sujet tabou, et l'héroïne jouée par Karine Viard devient très méchante, acide, violente par moments, malveillante. Et finalement moi qu'on avait parfois taxé de bienveillance, j'ai été excité à l'idée d'aller dans la méchanceté, mais inconsciemment peut-être. Donc j'adore aller en permanence dans le contrepoint de... Et on pourrait faire une version romanesque du film? Non. Oui. Non, parce que j'ai écrit ce scénario en pensant vraiment cinéma. Quand j'écris des romans, je ne pense pas en faire des films. Mais je pensais que ça, c'était vraiment une situation très forte pour le cinéma. Donc, comment en êtes-vous arrivé au cinéma? Le cinéma, c'est vraiment une passion. Puis ça a été très, très long. On a fait un premier court-métrage avec mon frère il y a presque 15 ans. Donc, on ne s'improvise pas, réalisateur. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je suis allé sur beaucoup de tournages. L'envie, au départ, c'est aussi de... Quand on est écrivain, c'est très solitaire. Et d'avoir un projet collectif, de travailler avec des acteurs extraordinaires. J'ai eu la chance de travailler avec des acteurs extraordinaires. Que ce soit Audrey Tautou, Karine Viard et tous les autres avec qui j'ai travaillé. C'est très impressionnant. Moi, j'adore les acteurs. Je les aime profondément. C'est magnifique d'avoir des personnages concrets, des idées, des scènes, et puis après de les avoir face à soi, de les diriger, de voir les personnages s'incarner, c'est très impressionnant. Donc ce sont des émotions qui sont magnifiques. Donc le cinéma, moi, me comble quelque chose que peut-être la littérature me manquait. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, c'est parce qu'on a dit tellement de choses ce soir. C'était très complet, hein.
Donc là, en plus, on a une réservation au restaurant. Quelle heure est-il? À 21h, on va manger. Il va signer des livres si, oui, bien sûr. Si vous voulez. Après, moi, je reste là avec plaisir. Il va signer des livres. Hmm? Ben, merci. Hein. Bon, merci. Merci à toi. Merci, merci au festival. Merci. Hein. À vous. Et bonne soirée. Hein. Merci.